Sans, se réveiller. Qu'est-ce qu'il y a, mec? Un humain est tombé du monde de la surface. Ah bon? Et tu as un os à ramasser avec lui? Pouah! Pas de temps pour les jeux de mots. Allez, c'est ça, on va jouer bien de côté. Pouah! Suffisant. Très bien. Voilà. Bienvenue dans le métro. Comment était la chute? Si tu veux regarder autour de toi, appelez-nous. Nous ne voyons pas souvent les humains. Nous sommes heureux que vous venez de passer. Je serai si populaire quand je montrerai à tous les monstres ce que je viens d'apporter. Hé, hey, Papyrus, fais attention à tes manières. Petit Sans, pas le temps de plaisanter. Excusez-moi, frère, il est un peu excentrique. Tu es juste paresseux et apathique. Appelle-moi ce que tu veux, j'ai la peau épaisse. Encore une mauvaise blague et j'en ai fini avec lui. Nous sommes des monstres les plus terribles. Jouer avec nous prend beaucoup de colonnes vertébrales. Nous pouvons nous rapporter à vos déterminations. Parce que nous, les monstres, avons nos motivations. Les humains nous ont trahis et nous ont laissé brûler. Un jour, nous retournerons à la surface. À travers nous, vos voyages, vos péchés fuiront. Vos conséquences ne sont pas faciles à avaler. Qui est le vrai monstre? Maintenant, tu devrais savoir. Tu as coupé cette histoire jusqu'aux os. Vraiment, Sans? Quelle? La dernière ligne du refrain est un jeu de mots? Ouais. Espèce d'imbécile! C'était très... intelligent. Il hache. Merci, mon pote. Tu es coincé dans le métro. Ouais. Merci à l'automne. Bonne chance pour en sortir. Préparez-vous à la bagarre. Tu pourrais nous montrer miséricorde? Nous transformons tous en poussière. Est-ce que ton cœur est plein de mal? Ou plein d'amour? Moi, le grand Papyrus, je vous mets au défi d'essayer de nous en sortir. Testez l'humain avec l'un de vos puzzles. Brillant sang, ça le laissera perplexe. Je vous mets au défi d'essayer une bouche de spaghetti. Ça sent comme le creepypasta hepté. Arrêtez le sang! J'ai fini avec le jerkin. On dirait que l'os drôle de quelqu'un est cassé. Nous pouvons nous rapporter à vos déterminations. Parce que nous, les monstres, avons nos motivations. Je suis le cerveau, il est mon complice. Tu es seulement encore en vie parce que j'ai fait une promesse. Tu perds pas la tête quand tu erras pendant des heures. Tu pourras même décider de commencer par les fleurs. Qui est le vrai monstre? Non, tu devrais savoir. Tu as coupé cette histoire jusqu'aux os. Un jour, je rejoindrai la garde royale. Quand j'attrape cet enfant, est-ce que ça peut être si difficile? C'est tout? Regarde le fenêtre. Mon frère n'est rien, mais un infantile. Je te conseille, et tout ce que tu veux, vous obtiendrez plus de sens qu'en police. Si tu vas en profondeur, putain, ça vient de désordonner. Même si je l'avais fait à la raison, tu serais déjà mort. Je plaisante, si tu ne veux pas te dire. Je m'ennuie tellement, je m'amuse. En bas, ici dans le métro. Tu es tout seul. Nous voulions vous dire maintenant. Tu es un peu désossé. Si vous survivez à cette prison, vous connaîtrez le nihilisme. Ne plaisant pas avec les monstres. Ils ont peur des petits monstres. Tu es venu de loin, mais bientôt tout trébuchera et je te surprends avec un Jumble Junior. Pas si sûr que tu vas l'avoir avec ça. Hélas, je vais le frapper avec mon attaque spéciale. Laisse-moi tranquille. Il n'y a pas de crâne, Lucas. Encore un jeu de mots et j'aurai fini. Nous vous rapportons à votre détermination. Parce que nous, les monstres avec ma motivation. Tu sais que...
Je sais que ton histoire a déjà été racontée. Nous ont trahi. Tu sais quoi? Casse les couilles, ça me fait chier. Ouais, ça me fait chier, je te le dis. Hein. Ça me fait chier. Je me mords. Déjà été racontée. Voilà, c'est pas drôle. Nous vont jouer je me casse. Vous aussi, vous voulez votre âme. J'ai mon œil sur toi, donc tu regardes juste. Je trouverai des squelettes dans ton placard. Qui est le vrai monstre? Maintenant, tu devrais savoir. Vous avez réduit cette histoire jusqu'aux os.